On la tête et la première parade, la première tête de Joao Félix qui met à contribution Yacine Bounou sur ce coup de pied arrêté venu de la droite. Il n'y avait pas de position de hors-jeu signalée à l'encontre de quatre joueurs portugais qui étaient partis dans le dos de la défense marocaine. Et cette tête, elle sollicite Yacine Bounou, la première bonne parade, le corner à suivre. Bon, Joao Félix, la frappe, elle passe juste au-dessus. La frappe surpuissante de Joao Félix, entrée de surface de réparation, elle a été contrée. Bounou semblait battu sur cette balle mal repoussée. Poussée par Yamik qui revient. Oh, elle était bien partie. Elle partait bien cette frappe extérieure du pied de Joao Félix. Unai au milieu de trois joueurs portugais qui transmet ce ballon. Le 1-2, ça fonctionne pour glisser cette balle à Atiatala sur le côté gauche. Atiatala pour mettre ce ballon dans la surface. Ce sera au prix de la tête et le but. Le but. Et le voilà. Le Maroc signé El-Nesyri. Oh, incroyable coup dans ce quart de finale. 1-0 en faveur du Maroc avec ce centre d'Atiatala. Diogo Costa qui se trouve un peu. Et ce ballon, cette tête piquée magnifique de la part d'El-Nesyri. Tout le stade Al-Toumama est debout. Ça fait 1-0 pour le Maroc. Ils sont peut-être en train de le faire. Ils sont peut-être en train de réussir un coup qu'aucune équipe africaine n'a réussi. Passer les quarts de finale, casser le plafond de verre. Pour le moment, ils y sont, les hommes de Regragui. Ça fait 1-0 pour le Maroc. Pas le centre tir qui prend la barre transversale. On l'a vu venir. Cette tentative de frappe de la part de Bruno Fernandes. Était-ce une frappe? Était-ce un centre? C'était à ça d'une égalisation à la 44e. Incroyable tentative. Je ne sais pas s'il l'a senti. En tout cas, il a tenté sa chance. Les Marocains sont également présents à l'entrée de cette surface de réparation, notamment Amrabat, que je trouve étonnamment seul pour une passe en retrait. Ce sera frappé tout de même dans la surface. Oh, et ce ballon qui va être sorti par Diogo Costa qui vient rebondir. Oh, le miracle. Oh, qui vient rebondir sur un joueur marocain, sur El Yamik qui était monté aux avant-postes. Et cette balle ne finit pas au fond des filets. Petit miracle, parce que là encore, elle n'était pas géniale, l'intervention de Diogo Costa. Oh, attention à ce ballon mal ressorti par les Marocains. Un ballon vers Cristiano Ronaldo. La frappe de la part de Joao Félix et la parade, l'envolée de Bounou qui avait magnifiquement lu la tentative de Joao Félix. Oh, il avait tout senti. Aïe, aïe, aïe. On a l'impression qu'il s'est envolé avant même que le ballon ait quitté le pied de Joao Félix. Ouais. Magnifique parade de Bounou. Oh, attention à la frappe de Cristiano Ronaldo qui contraint Bounou à une parade en deux temps. On était allé de l'autre côté du terrain 2000 à l'heure et Cristiano Ronaldo qui était à ça de égaliser pour le Portugal. On est rentré dans le temps additionnel. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, messieurs, 8 minutes. Il est en train de reculer. Bon, 8 minutes, Bounou. Carton jaune et un carton rouge sorti. Attention à l'encontre de Walid Chedira. Oui, il avait pris un carton jaune idiot il y a quelques instants. Il en prend un second. Il va sortir. Lui qui est rentré en cours de rencontre. Ils vont finir à 10. Je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose quand on voit la mentalité, la niaque de ces Lions de l'Atlas. Le changement d'aile de Raphaël Léao. Et attention, pourquoi pas? Pourquoi pas le duel avec ce ballon pour les Marocains? Le face-à-face. Oh, la sortie. Il a complètement raté son ballon. Zakaria Abouklal, lui qui avait marqué le but du break face à la Belgique, il s'est présenté tout seul. Il a tenté un petit piqué complètement raté. La sortie de Diogo Costa n'était pas mauvaise. Il faut bien faire d'autres choses. C'est terminé. C'est terminé. Non, bravo les mecs. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. C'est historique pour le Maroc. C'est historique pour l'Afrique. Le Maroc est en demi-finale d'une Coupe du Monde grâce à El-Nesyri à la 42e. Grâce à Regragui et son football pragmatique. Grâce à la dévotion. Grâce au travail, grâce à la solidarité d'un 11 héroïque, le Maroc est en demi-finale. Incroyable coup de canon dans cette Coupe du Monde. Le petit poussé est là et il fait peur au gros.